Tu vas aller? Ouais. Et toi, ça va? Ouais. J'ai vu quelques photos, ça a l'air encore gras ici. Ben, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, même sur le minimum. Effectivement. Ouais, je veux bien. Jusqu'à là, j'avais zappé les autres parce que je voulais pas rouler trop dans le gras. Bah t'aurais pu faire la pointe à nez, t'es bien. C'était pas trop dégueu. Je te remercie. Deux, trois petits passages. Mais... Franchement. Oui, ça va être un temps idéal. Il fait un petit peu frais, mais on va vite se réchauffer. On est d'accord. Tiens, je fais 200 km par semaine, trois fois. 70 km. Ah, c'est des gens des marcheurs. Tu vois, Fred, on est connu. Alors, bonjour, la petite dame. Vous traversez les propriétés privées. Enfin, une propriété privée. Donc, déjà, on respecte la première chose, comme le reste d'ailleurs. Allez, surtout, première rando organisée de l'année, la JCM. On doit avoir un temps correct, je pense. Caille un peu. Mais bon, ça va être sympa. Je suis venu à l'Andéaga qui est dans le coin. On fait la 35 en ce moment, sans croiser, enfin, on va rouler ensemble. Il y a pas mal de monde que je connais. Voilà, bref, c'est maintenant. Suivez-moi. Pour être crevaison, hein. Vous pouvez pouvoir rentrer en vélo, je ne sais pas, vous casser une patte de derrière. JCM, c'est bien la Jean-Claude Montcuit, et c'est bien Jean-Claude qui est à l'origine de cette création de rando il y a 30 ans autour d'un apéro, il m'a autorisé à le dire. Donc voilà, et depuis 30 ans, ça s'est bien amélioré. L'apéro est toujours de circonstance, mais après. Voilà, allez, bonne route à tous, excusez-moi pour le larcel. Bonne route à tous. Et donc dans 10 minutes, allez, c'est parti. Ce sera la marche. La marche pour 35 km. On va avoir de la gadoue. Hein. Je n'avais pas fait les autres rando organisées. Celle de mars. Parce que justement, on a une météo tellement pluvieuse. C'est trop gadoue, mais là, ça prend le temps de sécher. On est en. Avril, il est avril là, on verra bien. Alors pour cette rando, j'ai ressorti le tout suspendu, Rock Rider. C'est un moment, hein. J'ai beaucoup roulé pendant l'hiver en gravel, vélo de route, et aussi avec mon FAP. Et puis bon, si ça allait faire du bien de rouler un peu, ça faisait un petit moment qu'il caressait dans le garage. Passage galou. Et bien soit on va mettre les pieds dedans. Voilà, il est. C'est qu'on mette là-dessus. Vous savez que j'adore ça. Donc voilà, hein, je crois que tout le monde prend ça. Ah, ça reste compliqué encore de rouler en VTT. Allez, on sort de la zone. Bon, mis à part les quelques chemins. Gadou, pour le reste, c'est une rando sympa. T'as pas de bons petits sentiers et de bons chemins. La faisable. Ouais, voilà quoi. Ça fait du bien. Alors, je suis content
avoir sauté là, parce que là j'ai un peu le dos. Ah, un petit point d'eau, je vais me manquer. Non, ça va. Je regarde là dans la feuille de la feuille, c'est pas bien. C'est bien ça. Ça va t'arriver moins. Je regarde ça, que je traîne un peu les pieds. On décale. Oh, il y a un petit endroit un peu litigieux. Ah. C'est plus ici que c'est... J'arrive à faire le passage et je glisse sur un côté. J'ai été pas calé, heureusement. Bon, elle est pour moi celle-là. Ouais, ça va. Bah ouais. Ça va, je me suis pas fait mal. Là est l'essentiel. Pas bon au niveau technique, c'est une catastrophe. Déjà que je suis pas très bon d'habitude, mais là, pouf, enfin, de faire du vélo, je m'en perds. Je vais péter. Très bien. Sinon, pour le reste, je suis plus SNG, c'est plutôt sympa. Rien vraiment, vraiment de compliqué, on va dire. Et je dirais que même cet endroit il est complètement il est top quoi.
belle petite descente. Et je ne contrôle pas du tout. Je dois repartir à l'âne et c'est par là, ouais. Il y a une flèche. On est à combien? 33. Normalement c'est 35 km. Allez, je reprends sur le site. Ok, bon, on est à la station, il faut que ces transos se terminent. 33, 34. J'espère que cela vous a plu. Nous, on se retrouve prochainement pour d'autres aventures, peut-être avec la garde et Alan. Je vous dis, faites du sport, amusez-vous. Allez, à bientôt, ciao.